Yo tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions que vous vous posez sur mes championnats de France et sur les championnats de France de Léa et Sangoku parce que si vous ne l'avez pas vu dans la précédente vidéo de Léa et Sango, ils vont participer à la mode Beuvron mais je vous explique tout ça plus en détail tout de suite parce que j'ai eu de multitudes de questions donc c'est parti, je vais répondre à tout ça maintenant. Dans la vidéo de l'annonce, je vous disais que Léa et Sangoku allaient participer au Mini Open Poney, mais j'ai eu énormément de questions pour savoir qu'est-ce que le Mini Open Poney. On m'a demandé si c'était un concours d'obstacles, on m'a demandé quelle hauteur ils allaient sauter, on m'a demandé s'ils allaient faire du dressage, enfin bref, on m'a posé un tas de questions. Et donc, pour vous répondre, en fait, le Mini Open Poney, ce n'est pas une épreuve de compétition, c'est une épreuve d'animation donc qui permet d'animer finalement les championnats et donc c'est une épreuve qui consiste en avoir un poney, avoir un cavalier. Il s'est divisé en deux groupes d'âge, donc 3 et 4 ans ou 5-6 ans, donc l'épreuve de Léa c'est 5-6 ans. C'est juste une petite présentation avec le cavalier et le poney tenus en main, donc c'est moi qui vais les tenir et il doit faire un tour de pas à chaque main et un tour de trot à chaque main. Ils sont notés sur le toilettage du poney, leur tenue et leur position générale de cavalier. Avec tout ça, ils sont notés sur 50 et donc peu importe le résultat, dans tous les cas, ils ont une mention. Donc je ne sais pas du tout les mentions, mais en gros, s'ils ont 20 points, ils sont cavalier espoir. S'ils ont 30 points, ils sont cavalier espoir plus plus plus. Enfin bref, je ne saurais pas vous dire. Mais dans tous les cas, ils sont tous classés. Dans tous les cas, ils ont tous un petit flow, un petit cadeau. Et donc je trouve ça super cool et voilà, tout simplement. Maintenant, vous en savez beaucoup plus, ils ne vont absolument pas sauter, ils ne vont absolument pas faire un concours de dress, ils sont vraiment pas prêts du tout pour ça et je suis pas non plus folle inconsciente, même si je rêverais de les voir faire un petit dress tous les deux un jour peut-être. Là, pour l'instant, c'est pas du tout le sujet. Avec ça, on m'a du coup demandé quel jour était leur passage. À nouveau, je l'avais dit dans la précédente vidéo, ils passeront le samedi 6 juillet. Je ne sais pas encore du tout les horaires, je vous les dirai sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, pensez à aller y faire un tour parce que c'est là où je vous tiens le plus au courant, où je peux vous dire un maximum de nouvelles. Je ne pense pas refaire de vidéo à ce sujet pour vous dire à l'heure à laquelle ils passeront. Voilà, tout sera sur Insta. Je sais juste qu'ils sont dossards 72 sur 74, donc ils risquent de passer le plus tard dans l'épreuve. Mais voilà, grosso modo, c'est tout ce que je sais à l'heure actuelle, donc le jour où j'aurai l'heure de leur passage, je vous tiendrai au courant sur Insta. Alors déjà, pour ce qui est de la coiffure de Sango, ce sera ma petite sœur qui va s'en charger parce que moi, je suis incapable de natter un cheval. Je ne sais même pas faire une natte de queue. Donc c'est ma sœur qui fera tout ça. On n'y a pas encore du tout réfléchi. Je ne sais pas, soit on le pionte, mais il a une crinière qui est quand même vachement longue pour être piontée. Soit on va lui faire des carreaux, enfin une crinière en carreaux. Soit on va lui faire une natte des talons, soit on va juste lui faire plein de tresses la semaine avant la compétition, enfin la compétition, et on lui défera tout ça le samedi matin pour qu'il ait une crinière qui ondule. Je ne sais pas encore ce qu'on va lui faire, j'en ai aucune idée, pour l'instant c'est pas du tout le sujet. Et concernant la tenue de la petite Lélé, vous verrez tout ça dans un unboxing puisque j'ai commandé sa petite tenue, voilà, ce sera dans une prochaine vidéo, faudra attendre encore un petit peu. On m'a également demandé si Sangoku allait rester dormir à la motte et la réponse est non, en fait pas besoin, on est à 1h15 de la motte et puis voilà, l'épreuve dure que le samedi dans la journée donc il n'y a aucun besoin qu'il y reste jusqu'au dimanche et même qu'il arrive le vendredi soir. Donc il partira le samedi matin tranquille de la maison et il rentrera le samedi soir avec soleil, voilà comme ça pas de soucis, il dorme pas du tout à la motte et Léa c'est la même chose, on rentre tous à la maison le samedi dans la journée. Donc là, Amélie, c'est le moment où tu fais diversion et tu emmènes Léa autre part. Oui, ils vont venir la voir, bien évidemment, mais Léa est stressée. Léa n'a pas envie que ses parents ne viennent, donc ils vont simplement lui faire la surprise. Elle va partir avec moi et Sango et ses parents la rejoindront, enfin nous rejoindrons voilà, sur place. Et elle sera pas au courant qu'ils sont là, mais bien évidemment qu'ils viendront la regarder. Ça, c'est clair, net et précis. Genre, sa maman est trop fan, donc c'est sûr qu'ils seront là.
La réponse, bah, je ne l'ai pas. On verra ce que l'avenir nous réserve. Il y a encore 2 mois, on ne pensait pas qu'elle allait faire les championnats de France avec Sango. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas me prononcer. Un concours d'obstacles, ça me paraît très peu probable parce que Sango, il n'aime pas trop sauter. Donc, le voir enchaîner un parcours de 10 obstacles, je ne pense pas que ce soit faisable un jour. Mais on verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, le Mini Open Poney, c'était sa dernière année possible aujourd'hui puisqu'elle a 6 ans et que c'est jusqu'à 6 ans. Donc, l'année prochaine, ça ne pourra pas être ça. On verra ce que l'avenir nous réserve pour l'instant. Je ne peux pas me prononcer, on verra, on verra, on verra, on verra dans le futur. Donc maintenant que j'ai répondu à toutes les questions sur Léa et Sango, je peux passer aux questions sur Soleil et moi. À savoir que la première question qui est le plus revenue, c'est est-ce que j'emmène les poneys en même temps à la motte? La réponse, elle est toute simple. Sangoku et Léa passent le samedi 6, je passe avec Soleil le 25, 26 et 27 juillet. Donc autant vous dire que non, ils ne vont pas crécher pendant 20 jours à la motte, ils vont rentrer à la maison. Du coup, Sangoku, lui, il va rentrer à la maison après bah, le samedi après-midi, enfin le samedi dans la journée, enfin bref, le samedi 6, quoi. Et avec Soleil, nous, on repartira à la motte le mercredi 24 juillet, où il dormira du coup 4 nuits à la motte pour faire toutes nos épreuves, tout simplement. Donc je suis en club de CCE jeunes seniors. Je ne sais pas s'ils vont nous mettre dans l'excellence ou pas. Je pense pas. On a fait que 9 complets. On a fait 5 deuxième quart. Enfin, je ne sais plus exactement d'ailleurs ce qu'on a fait comme résultat tout au long de l'année. Mais bref, je pense pas du tout être en excellence. Dans tous les cas, c'est les mêmes jours. Mais voilà, vous verrez bien. J'en sais rien. Mais dans tous les cas, on est en club de jeunes seniors. Je passe donc le jeudi 25 le dressage, le vendredi 26 le cross et le samedi 27 le CSO. Voilà, vous savez tout. Donc je n'ai toujours pas les horaires, je ne sais pas quand est-ce qu'on passe. Encore une fois, tout sera dit sur Instagram si jamais vous voulez venir me voir. Je ne sais pas d'ailleurs si je vais donner mes horaires. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais gérer mon stress à ce moment-là. Je ne sais pas si j'ai envie d'avoir du monde qui m'encourage ou si j'ai envie d'être dans ma bulle toute seule. De toute façon, les horaires seront accessibles à tout le monde. Donc, si vous avez envie de savoir quand est-ce que je vais passer, bah, allez checker vous-même sur la FFE. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore du tout dans quelles conditions je serai à ce moment-là. Je peux pas vous dire. Voilà. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Du coup, on m'a demandé également où est-ce que Soleil allait être, où est-ce que j'allais être. Donc Soleil va être dans un box à la motte. Je ne vais pas non plus vous dire le box dans lequel il sera. J'ai envie qu'il reste tranquille, j'ai pas envie qu'on vienne l'embêter, j'ai peur, enfin bref, j'ai pas envie. J'ai envie qu'on laisse mon poney tranquille, voilà. Si jamais vous nous croisez dans les allées, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir le voir, le caresser. On va certainement aller se faire des balades et tout. Si je suis pressée pour aller en épreuve parce que je suis en retard, vous comprendrez que je vous dirai que je n'ai pas le temps de m'arrêter. Mais voilà, grosso modo, ça ne me dérange pas que vous veniez nous voir quand on est ensemble, même si vous nous croisez au box, même si vous avez le box à côté d'une autre. Il n'y a pas de souci, mais je ne vais pas vous dire où est-ce qu'il est, ça m'embête et j'ai pas envie. Pareil pour moi, je vais dormir à la motte. Mais je vais pas vous dire où est-ce que sera ma parcelle, voilà. Surtout qu'en plus il y a d'autres personnes qui dorment avec moi sur cette parcelle. J'ai peut-être qu'elles n'ont pas envie d'être embêtées non plus. Donc je ne dirai rien là-dessus. Ça reste confidentiel. Et enfin, la dernière question qui vous concerne du coup, c'est de savoir est-ce qu'il y aura des meet-up. Alors il y a un meet-up du coup qui est prévu le dimanche 7 juillet lors de la mode poney avec la FFE. Et il y en a également un deuxième qui va certainement se faire avec Horse Pilote et quelques copines de YouTube dont je ne dirai pas les noms pour l'instant puisque tout n'est pas signé et acté. Mais bref, normalement c'est ce qui devrait se faire le dimanche 7 juillet. Puis lors de la Mode Club, donc là où j'ai mes épreuves, je pense faire honnêtement aucun meet-up. Parce que même s'il y en a un qui est organisé, je serai stressée, j'ai envie de rester concentrée. Si c'est suffisamment tôt avant mes épreuves, parce que moi de toute façon je passe à la fin de la semaine, donc ça pourra pas être après mes épreuves. Si c'est genre le samedi ou le dimanche, donc avant même, enfin bref, avant le début de la semaine, là je les ferai certainement. Je ne sais pas, je ne peux pas être sûre. Mais si c'est genre le mercredi alors que j'ai mon dressage le jeudi, clairement ce sera non. Je reste dans mon monde, je m'occupe de mon poney qui sera sur place. J'irai faire des balades avec lui, on ira se décompresser. On va me préparer mentalement aussi parce que je suis quelqu'un de très angoissé. Voilà, donc je ne sais pas, je ne sais pas, je ne... Je peux pas vous dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut se voir le dimanche 7 juillet à la mode. J'y serai pour toute la journée pour vous voir. Il n'y a aucun souci sur cette journée-là. Et voilà.
Bon voilà, du coup, je pense avoir répondu à la globalité des questions que vous vous posiez sur nos championnats. Si jamais j'en ai oublié, n'hésitez pas dans les commentaires à les poser. On m'a aussi d'ailleurs demandé si j'allais faire des vlogs et des vidéos de préparation, etc. au championnat. La réponse, elle est oui, puisque d'ailleurs, il y a une vidéo d'entraînement de cross qui est sortie déjà samedi dernier et il y en aura d'autres à venir. Il y aura plein de vidéos sur, sur la préparation, il y aura plein de vidéos sur... la préparation, non mais il y aura plein de vidéos sur l'installation, sur tout ce qu'on a besoin d'acheter pour la mode, il y aura certainement des vidéos également sur la checklist, tout ce que j'emmène, etc. etc. Il y aura des vlogs, il y aura tout ce qu'il faut et il y aura bien évidemment, on me l'a demandé 2000 fois, la vidéo de Léa et Sangoku au mini open poney, bien évidemment, voilà. Écoutez, sur ce, eh ben, je vous fais des très gros bisous. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Et encore une fois, si jamais c'est pas le cas, les commentaires. Des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao !